Good morgen, allez Iden, et suis aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal et Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Beis Averek Bet Mishnah Aleph. Yom Tov Shechal Liyot Erev Shabbat. Lo Yavashal Adam Betechelam Yom Tov Le Shabbat. Aval Mevashal Hu Le Yom Tov. Ve'im Hotir Hotir Le Shabbat. Ve'ose Tavshil Me Erev Yom Tov. Ve'somer Chalav Le Shabbat. Bet Shamay Omrim Shne Tavshilin. Ve'til Omrim Tavshil Echad. ושבין בדג וביצה שעליו שאין שני תבשילים, אכלו או שעבד לא יבשל עליו בתחילה, ומשיה ממנו כלשהו סומך עליו לשבת. On présente la situation directement traduisant Yom Tov שחל להיות ערב שבת. On a un Yom Tov qui tombe la veille de Shabbat. Soit Yom Tov qui tombe vendredi, et donc Shabbat qui va suivre après pour le Shabbat. La problématique de la Mishnah est de savoir qu'est-ce qu'on va manger à Shabbat si on veut manger des plats chauds, des plats cuisinés, des plats frais. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc il fallait cuisiner nécessairement du vendredi pour le Shabbat. Dans quelle mesure on peut cuisiner le vendredi pour le Shabbat? Il y a un problème de préparer le jour de Yom Tov au Shabbat, comme ce qu'on découvre, on a déjà évoqué le sujet. On n'a pas le droit de préparer, de cuisiner, de transgresser les interdits. On a le droit de transgresser à Yom Tov les interdits que pour ce que l'on va manger aujourd'hui. Achou levado yaselachem, mikolacharechel, le premefesh. Et la Torah elle précise tout ça dans le Parashat Beshalach. En Parashat Bo, plutôt, je crois. Et. Ouais, bon. Que. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov que ce qu'on a le droit de manger pendant Yom Tov. Mais pas ce qu'on prévoit de manger après Yom Tov, et même pour Shabbat. En réalité, pour Shabbat, c'est un peu discuté. Est-ce que c'est aussi interdit ou pas? Quel est le niveau de l'interdit exactement? Concrètement, on ne le fait pas. On ne prépare pas de Yom Tov jusqu'à Shabbat. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va manger? Alors la Mishnah nous dit tout d'abord, lo yevashel adam batechila miyom tov le Shabbat. Tu n'auras pas le droit de cuisiner à Yom Tov pour le Shabbat, premièrement. Tu n'as pas le droit de cuisiner. Par contre, j'ai une première solution facile. Il y a deux solutions. La solution qu'on va voir tout de suite est le hérouv. Le fameux hérouv qui nous permet, qui est en vigueur aujourd'hui et qu'on utilise tous pour cuisiner. Mais la Mishnah a une première solution plus simple. Aval mevashel hu le Yom Tov. Tu pourras cuisiner pendant Yom Tov pour le Yom Tov. Soit dans le repas du vendredi matin, du vendredi midi de Yom Tov, bah tu prévois à cuisiner une très grande quantité. Et quoi? De manière à ce que, par contre tu pourras cuisiner pour Yom Tov, retire le Shabbat. Et s'il restera ensuite, bah tu mangeras le reste pendant le Shabbat, là ça devient permis. Ça c'est la première solution. D'accord? Tu fais plus pendant, tu fais la chose que tu fais pendant Yom Tov en très grosse quantité, et comme ça tu utilises le reste pour après. Encore après Yom Tov, quand ce sera Shabbat. Et la deuxième solution, c'est Ve'ose Tavshil Me'erev Yom Tov Ve'somer Alav le Shabbat. Le Eruv. Eruv. La Mishnah nous exprime ça comme ça en disant ou bien tu fais un plat depuis la veille de Yom Tov. Ouais, Ve'ose Tavshil Me'erev Yom Tov, tu feras un plat depuis la veille de Yom Tov. Ve'somer Alav le Shabbat. Et tu t'appuieras, tu te fonderas sur lui pour cuisiner pendant Shabbat. Soit, le principe, c'est très vaste le hérouv, comment ça fonctionne exactement, d'expliquer, mais en tout cas, le principe était tout d'abord, puisque cette fois-ci, avant l'entrée de Yom Tov, donc depuis jeudi après-midi, tu as déjà préparé les repas en vue du Shabbat, alors là, je te permets de cuisiner. D'accord? C'est ça qui est écrit. Tu fais un plat depuis Erev Yom Tov, pas Erev Shabbat, depuis Erev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov, depuis le jeudi après-midi. Vesomer halav le Shabbat et tu te fondes sur lui pour le Shabbat. C'est donc le Hérouv. Le principe du Hérouv, ça consiste en quoi? Ça consiste à s'exprimer de deux manières et rapport de la Bartenora, que soit il faut d'abord expliquer pourquoi cuisiner de Yom Tov à Shabbat. En réalité, on a dit que c'était interdit, mais ce n'est pas forcément interdit Minatora. Pourquoi c'est pas interdit Minatora? Parce qu'en réalité, on peut cuisiner pour Yom Tov. Dans la mesure où il reste encore du temps, il y a plusieurs avis dans la Gemara. Mais un des avis, c'est puisqu'il reste du temps jusqu'à l'entrée de Yom Tov, peut-être que finalement je cuisine un plat, je vais avoir des invités qui vont débarquer tout de suite et je vais leur présenter ce plat à manger. Puisque ça peut être consommé encore pendant Yom Tov, c'est vrai que c'est plus un interdit de préparer dans Yom Tov à Shabbat. D'accord? C'est ce qu'a écrit un des avis qui est rapporté dans le Barthénora. Donc du coup, il n'y a plus d'interdit Minatora. Puisqu'il n'y a plus d'interdit Minatora, alors il ne reste qu'un interdit des Rabbanan, qui va me dire que malgré tout, je ne veux pas que tu le fasses parce que c'est trop flagrant. Alors, Chachamim, on fait un décret que si tu prépares depuis la veille de Yom Tov, tu auras le droit. Il y a un des avis qui explique dans la Gemara que c'est en l'honneur du Yom Tov.
Pour ne pas que les gens vont se dire, ah, Yom Tov, on a le droit de cuisiner, on a même le droit de cuisiner pour Shabbat, on a le droit de cuisiner pour Chol. Donc du coup, les gens vont se mettre à cuisiner depuis Yom Tov pour le jour de Chol, lorsqu'il n'y a pas de Shabbat juste après. Donc pour bien montrer aux gens l'importance, on leur dit, regardez, même pour Shabbat, le grand Shabbat, même pour Shabbat, Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer des repas de Yom Tov jusqu'à Shabbat. De ce fait, les gens ils vont bien comprendre que de Yom Tov pour un jour de fête, on n'aura pas le droit non plus de cuisiner. D'accord? C'est un des avis. Donc, je reprends dans les mots. Ve'ose tavshil me'erev Yom Tov ve'somechala. Par contre, tu pourras faire un plat depuis la veille de Yom Tov et te fonder sur lui qui te permettra de cuisiner à de Yom Tov ensuite pour le Shabbat. C'est le Hérou. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait un Hérou? Bet Shamayim Shem Tavshilin. Un Bet Shamayim, selon Bet Shamayim, il faut faire deux plats. Soit une viande et un légume, par exemple. Deux choses. Bet Hillel Omrim Tavshil Echad et Bet Hillel nous disent de faire un seul plat même, ça suffit. Entre parenthèses, l'usage de la Mishnah, de la Gemara, c'était pas forcément de faire aujourd'hui, on fait qu'un œuf pour le Hérouv. Beaucoup font qu'un œuf pour le Hérouv. C'est entré comme ça dans les usages de faire un œuf. En réalité, on n'est pas obligé de faire spécialement avec du Hérouv. Avec un œuf, vous pouvez aussi décider de prendre une belle tranche de viande, faire une n'importe quelle part. Parce que l'usage que j'ai vu une fois, qu'en fait, qu'on prend l'usage de prendre un œuf, c'est parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de frigo, comme ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, il faut que le Hérouv il soit consommable depuis le jeudi après-midi qu'on l'a fait, donc on consomme pour le Shabbat midi. Vous imaginez si vous mettez de la viande avec les chaleurs d'Israël, ce que vous risquez de retrouver. Ça va être complètement tourné, moisi, et ça va être invalidé. Donc du coup, pour pouvoir, donc une des rares choses qui est sûre qui va bien tenir depuis le jeudi après-midi jusqu'au Shabbat matin, c'est un œuf. D'où l'usage de faire cuire des œufs. Aujourd'hui, quand on a le frigo, vous pouvez sans problème prendre une tranche de viande, par exemple. Ou il y a écrit dans l'alakha de prendre quelque chose de beau, de khashuv. Donc, je reviens sur notre Mishnah. On a Bet Hillel qui nous a dit qu'il faut prendre deux plats. Soit du poisson et un bout de viande. Un bout de viande et un légume, cuit. Ou Bet Hillel nous dit, non, ça suffit de prendre un seul tafshil. Même un seul plat. Mais malgré tout, sache que Veshavin, Bedag ou Beitza, She'alav, She'hen tafshilin. Ils sont d'accord qu'avec un poisson et l'œuf qui est dessus, c'est-à-dire un poisson pané, où il y a d'une part le poisson, et en plus il y a même sa chapelure, et bien ça on considère que c'est comme deux choses. Il y a la chapelure et il y a le poisson. Ok? Autre sujet dans la Mishnah, par rapport au Hérouv, Achalo o She'avad, si toutefois il l'a mangé par erreur, ou bien que le Hérouv il était perdu, il est vendredi matin, et il se réalise que quelqu'un il avait faim, il a mangé l'œuf. Du coup, il n'a plus de Hérouv, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'œuf Yachal Alav Batechele ne pourra plus cuisiner, a priori, depuis Yom Tov sur le Shabbat. Il lui restera que la solution de faire plein des grosses quantités depuis Yom Tov pour qu'il lui reste ensuite pour le Shabbat, mais pas cuisiner spécifiquement pour le Shabbat. Vim Shir Mimenu Kolcheu. Et si toutefois, c'est vrai qu'il a été consommé, mais il reste un petit peu de lui. Il reste quelques petites miettes de lui, même Kolcheu, un tout petit peu. Eh bien, dans ce cas-là, son mère Alav le Shabbat, il pourra se fonder sur lui pour cuisiner pendant le Shabbat. C'est-à-dire, quand tu fais un hérouv, il faut savoir, quand tu fais un hérouv, il faut que tu prennes au moins un kazaït. Comme ça, c'est rapporté ici. Au moins un kazaït, une belle tranche de viande. Au moins un kazaït. Si, toutefois, tu l'as désigné, tu l'as pris, et puis après, il a été mangé, mais il lui reste encore un petit bout, alors là, on n'est plus dans le cuit qui reste un kazaït du début jusqu'à la fin, donc il reste encore un petit quelque chose. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine à Tzlacha, comme tout ça.